Bonjour. Comment les pervers narcissiques, et ce sont ils ou elles, choisissent-ils leurs victimes? Par qui sont-ils attirés? Ils sont attirés par des êtres qui ont une profonde humanité, par des gens qui ont tendance à avoir confiance dans l'autre, à ne pas voir le mal chez l'autre et une tendance à aider l'autre, à le soutenir. Pour un pervers narcissique, cela veut dire que la personne va être maniable facilement. Alors, quand ils sont quelque part, ils regardent autour d'eux, ils repèrent les gens. Si ce sont des rencontres en ligne, ils vont avoir plusieurs contacts, ils vont étudier un peu le contact, lancer quelques questions, tout à fait anodines, mais très bien ciblées, et ils vont cercler, on peut dire, la personnalité de l'autre. Ils vont aussi très vite voir, et on peut le voir dans les gestes, dans le regard, dans les expressions, le fait que c'est une personne qui a un besoin de reconnaissance, qui n'est pas aussi sûre de lui qu'il y paraît, parce qu'ils aiment bien les gens qui ont l'air sûrs d'eux, qui ont réussi à surmonter des épreuves, qui sont des battants. Mais il faut que ces personnes aient en eux une fragilité qui transparaît. Parce que sans fragilité, il n'y a pas de prise de pouvoir possible. Si vous écoutez, vous vous retrouvez là. Et c'est ça qui attire les PN. C'est ça qu'ils repèrent. Il est extrêmement difficile, voire impossible, d'échapper à ces profilers. Pour y échapper, il faut travailler sur soi et il faut parvenir à croire en soi, à se donner sa valeur, à ne plus avoir besoin du retour positif de l'autre pour se sentir validé. Parce que c'est ça, en fait, qui est une marque importante pour eux à mettre sur leur éventuelle victime. Quand on n'a plus besoin des autres pour nous valider. Une personne perverse narcissique ne nous approchera pas parce que ses manières de faire, ses stratagèmes ne pourront pas fonctionner avec vous. C'est impossible. Vous n'allez pas vous laisser séduire par quelqu'un qui vous ressemble trop, qui vous flatte trop. Vous n'avez pas besoin de ça. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un qui vous ressemble, qui soit complètement, tellement en harmonie avec vous. Vous avez l'impression d'avoir trouvé un frère, une sœur, l'âme sœur, l'essence jumelle, tout ce que vous voulez qui ressemble à ça. Non, vous n'en avez pas besoin, vous vous suffisez à vous-même. Mais tant qu'on ne se suffit pas à soi-même, on a besoin de l'autre. On n'a pas été reconnu dans notre personnalité profonde, dans notre enfance, trop d'attendu ou trop de rejet. Et donc, il y a ce rêve de l'enfant d'avoir ce retour positif sur lui, très positif, véritablement positif, non pas parce qu'il répond à ce qu'on attend de lui, mais simplement pour ce qu'il est. Et ça, les pervers narcissiques savent très très bien le faire. Que ce soit parce que vous êtes la personne la plus exquise du monde, forcément la plus belle, l'amant ou l'amante le plus merveilleux, la plus merveilleuse de la terre, au début bien sûr, tout ce que vous pensez, il ou elle le pense, tout ce que vous dites, ou il ou elle le dirait de la même manière que vous, vous avez vraiment l'impression que c'est une harmonie fusionnelle. Et en fait, vous êtes en train de vous faire laver le cerveau par un excellent bonimenteur, un étant neutre, qui sait extrêmement bien, parce qu'il l'a appris très jeune, parce que c'était une question de survie pour lui, et que c'est toujours quelque part une question de survie, a appris très bien à coller parfaitement à l'autre. Trop parfaitement, n'est-ce pas? Mais bon, le rêve est tellement beau, vous êtes enfin vous-même, vous êtes enfin reconnu, et vous allez tomber dans les griffes de cette personne qui en fait ne fait que vous observer, ne fait que vous regarder, ne fait que regarder si les jalons qu'elle pose sont solides, dans le but pas de dévorer sa proie. Les pervers narcissiques sont des psychopathes,
ce sont des personnalités antisociales, comme on dit maintenant. Ce sont des psychopathes au sens profond du terme, des psychopathes, je les appelle des psychopathes du cerveau. Parce que ce qu'ils ont besoin de s'approprier, c'est votre aide, votre âme, votre cerveau. Vous les attirez parce que vous représentez tout ce qu'ils ne sont pas. Et s'ils font comme vous, si vous les acceptez, vous les validez. Vous voyez, c'est la même chose. Eux aussi cherchent la validation, bien sûr. Ils cherchent une validation positive en permanence. C'est une sorte de miroir inversé de vous-même. Ils cherchent une validation en permanence, mais cette validation, pour eux, elle est de surface. Il faut que quelqu'un leur dise qu'ils sont ceci, qu'ils sont cela, qu'ils sont aimables, qu'ils sont bien, qu'ils sont serviables, qu'ils sont parfaits. Ils ont besoin qu'on leur dise ça, parce que ça veut dire qu'on ne voit pas ce qu'ils se voient, comme ils se voient eux-mêmes en réalité, c'est-à-dire totalement vides, complètement dépourvus de sentiments humains, ayant très peu d'émotions. Il peut y avoir la joie, il peut y avoir la colère, mais les nuances d'émotions sont très faibles chez les pervers narcissiques, vous savez. Si vous repensez en arrière, vous l'avez remarqué. Et donc, être avec vous, c'est adopter vos codes d'une certaine manière, comme c'est quand même un gros trouble psychologique, c'est devenir comme vous. Mais comme toute personne qui s'intéresse à l'autre, vous poserez des questions. Et ce sont ces questions qui vont détacher totalement la personne perverse narcissique de vous. Vous posez des questions et ça la dérange. Elle ne le supporte pas. Et donc, de cette personne qu'il était plaisant de séduire, à laquelle on voulait ressembler, être comme elle, et se valoriser en absorbant tout ce qu'elle était, vous devenez un ennemi et un danger, parce que vous vous interrogez sur la personne perverse narcissique en face. Et comme vous êtes un ennemi, il faut vous détruire, vous réduire à néant, ôter ce qui forcément est un doute dans votre tête, ôter ces questionnements, vous persuader que vous vous trompez, que vous faites erreur, que la personne en face de vous est parfaite, qu'elle est en fait ce que vous êtes, et que vous êtes ce qu'il est, dont vous ignorez beaucoup de choses. Mais la personne perverse narcissique pense que vous l'avez percé à jour, et donc, parce que vous l'avez percé à jour, il faut qu'elle vous détruise, qu'elle vous persuade que vous êtes ce monstre froid, sans sentiment, sans affect, qu'elle est elle-même. C'est ça, cette rencontre. Pourquoi vous les attirez? Pour votre humanité. Pourquoi ils vous détruisent? Parce que vous êtes trop bienveillant envers l'autre, que vous essayez trop de le comprendre et trop de l'aider, et que donc vous êtes dangereux, parce que vous pouvez les percer à jour. Et là, il y a une alarme, et cette alarme, pervers narcissique, sans aucun sentiment, sans aucun affect, totalement froid, ne pense qu'à une chose, en bon psychopathe, il faut que je détruise. Et quand je détruis, c'est comme quand je séduis, je suis puissant, j'existe. Pendant que je détruis, c'est comme pendant que je séduisais, je ne me sentais pas vide, je me sentais plein. Et j'éprouve la même jouissance à détruire qu'à séduire. Parce que l'autre n'est rien, il n'est qu'un apport pour ressentir en moi ce narcissisme qui n'existe même pas, puisque dans le miroir, quand le PN se regarde ou la PN se regarde, il ne voit rien. Alors, chez les femmes, cette destruction sera encore plus violente, plus brutale, plus rapide, parce qu'en plus, elles ont un compte à régler avec les hommes, de parce qu'elles ont vécu dans leur enfance, qui a créé ce trouble et qui est une relation qui généralement est plus incestueuse qu'incestuelle. N'oublions pas que chez les pervers narcissiques, dans leur enfance, il y a toujours ce lien incestuel, trop d'attachement, d'empêcher l'enfant d'exister par lui-même. Mais chez les femmes, on peut chercher l'incestueux.
Et quand on a vécu l'incestueux, bien sûr, on se vend à l'homme, puisqu'on a appris enfant que c'était le seul moyen d'être accepté, mais en même temps, on va faire payer à l'homme ce qu'on a subi. Voilà. C'est très raccourci. J'espère que ça vous éclaire un peu. Perversion narcissique, c'est un sujet avec beaucoup, beaucoup de choses à dire, plein de facettes, et c'est un chemin de compréhension. Donc, si ça apporte encore un peu d'éléments, j'en serai très heureuse. Si vous avez besoin, vous avez une question, alors vous pouvez poser sur le commentaire, vous pouvez envoyer un mail à Liberted, le mail s'affiche, ça me sera transmis et je vous répondrai. Si vous souhaitez une consultation pour éclaircir un point, c'est toujours Liberted, ça met toujours 30 minutes. Et si vous voulez qu'on travaille ensemble à plus long terme pour vous aider à croire en vous, à reprendre votre valeur et à sortir de tout ça, c'est pareil, c'est Liberted et c'est toujours moi qui vous répondrai. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Plein de lumière. Au revoir.